Bonsoir à tous et bienvenue sur CK3 où je retrouve mon frère de lignage, Slan, roi d'Angleterre. Comment vas-tu? Resynchronisé hein, avec toi dans les épisodes. Roi d'Irlande et d'Aquitaine et de Et Navarre. de Navarre pour l'instant, et tu me l'as rappelé, ça pique. La La succession succession, est un beau bordel. Ouais. comme d'habitude, ouais. Et moi, je suis dans une guerre difficile puisque la Francie occidentale était de la partie, mais je suis aidé par la Francie orientale. Et on doit essayer de prendre la Bretagne. L'avantage de prendre la Bretagne, ça serait d'avoir une couronne de plus. Parce que j'ai du mal dans vos pays d'Ial, donc pourquoi pas essayer de voler la couronne de Bretagne. Est-ce que tu es C'est prêt vrai pour qu'on relâche que la pause? Ou pas trop? oui. Allez, c'est On parti. y va. J'ai Il pas va appuyé au bon falloir. endroit. Je vais commencer par faire quelque chose de tout bête, mais c'est vrai qu'avec cette question, tu m'as expliqué, tu me l'as rappelé. Le titre principal, c'est que tu gardes pour ton héritier. Et mon héritier, franchement, quand je mate un peu, il a quoi? La couronne d'Irlande. Je ne suis pas d'accord. Le plus gros morceau, c'est l'Aquitaine. On va le rendre. Principal. Ça c'est fait. Alors, brave, calme, zélé. Zélé, c'est bien ça aussi. Je vais la faire zélé. Regarde un Je peu vais que aussi aller j'ai. m'occuper de mes prisonniers. Je vais aussi aller m'occuper de tous mes prisonniers. Hop là. Ben, pareil. Et libérer Ça, ma fille. alors. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Biscay, ça crame à Biscay. Mais j'ai quoi là? Mais si j'ai une guerre. Je me Encore la souvenais pas de guerre. ça. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? 94%. Allez, s'il récupère Pavane, normalement ça va le faire très bien. 4000 hommes, ok. Je suis en Irlande en train de taper. Je trouvais ça bizarre aussi. Eh ouais. Eh ben écoutez, on va essayer de pas mourir et d'obtenir. Ce sujet de ma... Je pense qu'il était. Je voudrais simplement me faire plaisir, puis peut-être trop impliqué pour reculer maintenant. Ah ben on va continuer. Du On a dit qu'on se prestige, calmait. excellent. On fonce vers le rayonnant qui me permettra de devenir empereur. Mais surtout, il me faudrait plus de piété. Je ne sais pas comment faire ça. Comment je pourrais avoir plus de piété? Embrasser le célibat. Plus de piété. Un de plus par mois. Ah, j'ai mon épouse uniquement. Voilà. Humble, plus 0,5, célibat, plus 1. Est-ce que je peux pas demander au à mon archevêque lui de me faire plus de piété? Bah il m'en fait déjà. Hop là. Et moi, je peux déclarer 20 guerres. Génial. T'es pas obligé de les faire tout en même temps. Bon, normalement là, avec la prise de Rennes, je devrais pouvoir valider mon emprise sur le duché de Bretagne. Qui pour autant devrait juste devenir un vassal et il devrait T'as perdre mis en du vite. coup sa couronne de roi, je pense. T'as mis vitesse 1, donc ça va. Ouais, ça te va, vitesse 1. Ouais. C'est pour la reprise là au début. Allez hop, on appuie les exigences et je mets en pause pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Très bien, j'ai récupéré Vannes, Nantes et Rennes est resté acquis. Un de mes vassals qui possède aussi Cornouailles dans cet un autre. J'ai deux vassaux. Moi j'ai pris Vannes et Nantes. Le problème c'est que j'en voulais. J'en voulais. J'en voulais, je voudrais me débarrasser de Winchester. Parce que je voudrais en fait toute la Bretagne et la Normandie, moi en fait pour moi, plus Londres et Salisbury. Ça me paraît des bons emplacements ça hein, quand même. Nantes, voyons ce que ça donne. Pâturage. Evan, c'est pas si bien que ça. Je pars à la chasse, je prends un risque. Alors, il faut que je choisisse mes domaines. Il faut que je redonne Winchester
accordé à mon petit-fils et chevalier, tiens. Hop. Voilà, c'est peut-être mon héritier, lui, indirectement, donc autant lui donner un petit bout. Et j'ai un domaine de trop, on va faire avec, pour le moment. Alors attends, il me reste une solution, moi aussi. Bon, l'Anson est déjà bien monté. Non, t'es van dans les deux cas, faut que je garde. Alors, est-ce que je peux devenir roi de Bretagne? Il faut surtout pas que je le fasse, hein, si je peux. Je peux. Très bien. Donc là, maintenant, j'ai les prérequis pour devenir un empereur. Sauf qu'il va me manquer la couronne de Bretagne, à ne pas faire avant, parce que sinon elle va disparaître. Alors pour l'instant, elle disparaîtrait quoi qu'il arrive, mais dans 2 ans, je peux prendre une nouvelle loi de succession qui fait que ça ne créerait pas les titres. Et donc je m'en sortirai mieux. Résous. Propriété du domaine. Faut quand même que je fasse un choix et que je me débarrasse de Londres ou de Salisbury. C'est pénible, j'hésite. Où j'en garde. C'est intéressant. En fait, mes fils étaient tous à la cour de mon épouse, la reine de Sardaigne. Et là, je leur dis, bah venez. Là, tu vas pouvoir faire le tri. Elle a 38 ans, elle est superbe, mais c'est pas vraiment ce qu'il me faudrait. Je changerai bien de reine. Hop, démarrer un complot. J'ai besoin d'une nouvelle reine. Bon, je vais envoyer à la bataille mes fils. Comment ça coûterait? Et 58 pour 13-6. Ça sert à rien. T'es terrifié par la reine Eleanor? Ma cousine. Oui, attends, il y en a quand même 2000 là, amenez-vous. J'avais une alliance. Le fait d'être parisien, c'est un problème. Apparemment, ils aiment pas ça. Bah, je vais essayer tant bien que mal de l'assassiner. Après, elle risque de me faire la tête. C'est le problème. Hop là. Faction formée contre moi. Bah voyons. Ouah, ça change pas de la routine. Moi j'ai les catholiques anglo-saxons. Alors j'en suis où là? 54-69. C'est un peu pénible. Les alliés ne viennent pas, il faut reprendre ça. Faudrait que j'arrête là. Mais mes alliés étant dans ma guerre, je pourrais démanteler ma force. Quoique. Les rebelles, c'est juste ça? Je crois que les rebelles, ils sont 300. Ça devrait être jouable de les calmer. Ah, on me dit à l'oreillette qu'ils sont 900 en fait. Non, c'est lui. Bon, il va falloir taper tout ça. Ça y est, c'est fait. Appuyez les demandes. Ouh, j'ai plus d'hommes. J'aime ça. Et pour l'Empire, il manque 10 comtés. De l'or, de prestige. Ah, surtout de la foi. Ça y est, je gagne de l'or. Bravo. Écoute, faut vraiment que je finisse ma rébellion en Irlande, moi, puis après... 16-5 par mois, dans je sais pas combien de mois, c'est bon. Il faut que je me prépare une nouvelle femme. Elle était bien, celle-là, elle était magnifique et tout, mais jolie en tout cas, mais le problème, il est que... Elle veut pas prononcer les vœux, elle. On a que 5000. Oh, ça va piquer en Irlande.
Faudrait que je fasse un hameçon contre elle. Si j'essayais de l'influencer, j'influence qui là? Le roi vénère. On va essayer plutôt de l'influencer elle. Compliqué. Compliqué tout ça. Après j'ai alors, un petit mot. C'est fini l'Irlande, maintenant c'est l'Aquitaine, c'est ça? C'est l'Aquitaine, enfin, le plus gros morceau au cas où. Et j'ai récupéré 3 fils sur 4 et je les envoie à la guerre. Te fera le tri. Bah écoute, ouais, on va protéger les costauds un petit peu, hein. On va envoyer à la mort un peu les autres, quoi. Oh, j'avais des ducs et tout. En prison. T'as de la chance, toi, ça rapporte, ça. Ouais, ça rapporte. Par contre, pourquoi lui veut pas être payé? Et qu'est-ce que j'influence? Un duc de Nato, de Gascogne. Ouais, bah oui, les Gascons, toujours les Gascons. Je sais. D'ailleurs, en parlant de ça, mon héritier garde quelle propriété pour l'instant? Bon, moi, il faut que je reste focalisé sur la piété et l'argent. Faut rien faire. C'est triste, hein. À un moment, faut rien faire, ouais. Mais voilà. Il manque 1500 pièces d'or, 44 de prestige et 371 de... Ouais, mais ça fait 100 mois, ça. 100 mois, ça fait quoi? Ah, ça fait 8 ans. Eh ben, je sais pas si je vais survivre 8 ans. Donc le temps que tu fais sa gestion, il faut que je comprenne comment basculer en tribu, parce qu'il n'y a plus que ça qui me bloque pour développer, en fait. C'est assez... Basculer en tribu? Aïe, 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 je me prends une claque en Irlande. Ah, j'ai un duc qui est mort. Mince, c'est pas un fils. Allez! Ah, t'es arrivé? Comment c'est ça que je me suis fait dépouiller? T'as encore pas regardé le terrain et c'est toi qui as attaqué? Ah non, 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 on était à peu près en nombre, mais le terrain, c'est un marécage. Bah voilà. Faut être en défense, oh, dans des collines. Je vais peut-être perdre des fils dans cette histoire, ça tombe bien. Ça tombe bien, très bien. C'est ça aussi qu'il faut penser. Alors, combattant capturé, allié, le duc est mort, duc Fortin d'Aquitaine aussi. 2 ducs sont morts, mince. Ceci dit, t'es à moins 71. Ah non! Comment mon héritier a-t-il fait prisonnier? Il est pas dans la guerre, lui, pourtant. Eh ben, tant mieux, nouvel héritier. Ouais, enfin bon, attends... Crotte de crotte. C'était pas prévu. C'est le principal qui m'ont retenu, ces cons. Et moi, je gagne quoi, moi? Je perds un niveau de dévotion? Non, je ne perds pas de dévotion. Allez hop, c'est parti. Elle est où la capitale de l'Ulster? Là-bas. Cher ami, vous m'avez souvent aidé. Oui. Eh bien, sachez qu'il y a 150 onagres qui sont en train de foncer sur la capitale de l'Ulster. Bah écoute, si ça peut le faire, parce que là je me prends une petite claque. Mais il y a 4400, c'est ça? Ouais, non, alors, je vais me perdre. Alors il faut qu'on se regroupe avant, parce que moi je peux pas affronter 4400. Et ma reine, mon allié, fait n'importe quoi. Il faut que tu rejoignes l'Ulster, alors la capitale. Eh mince, alors attention, Gulmar a été assassiné. T'as assassiné mes gosses, toi, peut-être? Non. J'assassine ma femme, on peut pas tout faire. Allez, un de moins. Il reste 4 vivants, dont un en tôle. Ah non, ça devient du délire complet. Nouvel héritier? Je surveille. Bah non, il est en prison, mon principal. Attention, tu prends max d'attrition sur ta troupe, là, hein, 2323. T'as plus de réserve? T'as plus Il faut que je bouge. Viens chez moi au pire. C'est pas bête, parce que là, vu ce qu'on a... Te fais pas choper tes 1600, là. Non, les 1600, c'est pas moi, ça, c'est ma reine qui fait n'importe quoi. D'accord. Bah viens chez moi, ouais, on va se retrouver en Galloway. Ouais. Yes. Je vais débarquer en Galloway. Il faut que tu te refasses tes provisions, parce que là, tu vas te prendre une attrition tellement... 6% par mois, autant te dire qu'il te restera que dalle. Et moi j'ai des troupes, mais j'ai pas assez pour te faire gagner ta guerre. Hein. Donc faut que tu me colles au cul et que tu bouges plus. C'est qui ce Jarl qui veut à tout prix? C'est mon cousin qui veut récupérer le royaume d'Irlande. Je vais le perdre.
tout simplement. En même temps, tu vas le perdre dès que tu vas mourir. Tu t'emmerdes ouais. peut-être pour un peu rien. Bah, disons que je peux éliminer quelques fils, quoi. Ça changera rien. Ce que je veux dire, c'est que tu vas le perdre de toute façon quand tu vas. Oui, dès que je claque ma pipe, ouais. Il faudra que je reprenne. Je suis parti un peu à l'aventure loin, Donc, j'ai délaissé le pays. donc peut-être abandonne la guerre dans ce cas-là. Refais tes forces et. Ouais, ce sera peut-être plus intelligent. Oh non! Cochonceté là, de quoi là? Mon archevêque. Allez, défaite. Et t'as gardé tes terres chez moi, tiens. Ah, ça, c'est un accident. Eh ben écoute, il va peut-être falloir que je fasse le tour de mes vassaux, de tout ce que je peux faire. Combien il a de Regarde. troupes, lui? 2600? Ouais, mais il a plein d'alliés, c'est quoi ce délire? Ah non, chef de Leinster, Tomon. C'est qui ça? Leinster, Tomon, Bourbon. Une Il a... comtesse chez moi. Oh! Pourquoi je vois plus les forces en présence hein, quand je déclare une guerre? Ah si, c'est en haut maintenant. Allez, moi j'ai 14 000 si j'appelle mes alliés. Ouais. Mais je veux pas les appeler. Tiens. Ça, c'est chaud. Il me C'est faut vraiment des chaud. sous. Comment je peux avoir des sous? Planifier le développement. Et c'est pas mal. Alors, on va voir par rapport au changement d'héritage, déjà. Partir en pèlerinage. Ça coûte des sous. Mais au moins, je vais pouvoir aller récupérer ce qui me manque. Je vais aller où? Cologne, ailleurs, Jérusalem. Allez, on va loin. Au final. Moins 165? Je pensais pas que c'était aussi cher. Faut que ma femme meure. Ça serait une bonne idée. J'accélère un tout petit peu maintenant qu'on n'est plus en guerre. S'il faut freiner, tu me le dis. Non, je suis en train de relire les événements, je refuse des choses. Je suis pas fan de maîtresse par contre. On a assez de gamins comme ça, c'est fini. Adopter la culture locale de ma capitale. C'est quoi ma capitale? Mince, je suis malade. Aïe, 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 aïe. Il me faut de la piété, donc je pars quand même. Mais déjà, je gagne moins de sous. J'espère que je vais guérir. Je m'en pose, je vais me trouver quelqu'un pour Ouais. venir Du mon coup, la médecin de la culture cour. basque attend. Gouvernement tribal, je pense, les Basques, non? Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, être basque ou autre chose. Quand je regarde en Navarre, c'est la culture basque. Je pourrais adopter leur culture. C'est marqué. Iber. Ils sont au Moyen-Âge. Pourquoi elle veut pas? Ah, parce qu'elle est pas chez moi. Cours. J'y vais. Elle est Donc médecin de je la suis cour déjà? catholique, je suis célèbre. Je suis un idiot. Bah oui, elle est déjà médecin de la cour. Bah j'espère qu'elle va me Oui, soigner quand même. ils sont plus à l'ère du tribal, les Basques. Mais ça ne changera rien. Si je deviens basque, je peux être tribal. Ah, ils sont plus à l'ère tribale. Enfin, ils Mais non, sont. Fais ils voir la sont au culture. Moyen-Âge, regarde. Perte de compagnons. Très bien. Pour 110% des relations militaires et civiques des tribales. Ok, alors là, il en a 1, 2, Alors, 3, 4, les 5. Basques, non, ils sont toujours au tribal, hein, il leur en manque 3. Il manque Ban, Gravelking et Casus Belli. Ouais, mais c'est 100% ça. Mais il faut en avoir, mais ils peuvent pas Et ils passer. disent militaires et civiques uniquement, il faut 70%. C'est tout ce qu'ils demandent. Ah, et autorité tribale, c'est 100%. Crotte. Ah, c'est chaud.
Donc il n'y a que les Normands quand je les regarde, du coup. Pour l'instant, il n'y a que les Normands, on est en avance sur tout le monde. 875 de piété, yes. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est réglé. Un problème de réglé, fonder un nouvel empire. J'ai plus de problème de prestige, de piété. Il manque très peu de prestige. Il manque maintenant beaucoup de sous. Allez, on refait. On va calmer un vassal puissant. Maître espion, j'en veux un qui est bien. Attends que ça arrive. Alors, je veux pas mettre ma femme en difficulté parce que je préfère ma deuxième fille, elle est mieux. Donc si jamais, je veux pas que ce soit une bâtarde. Pèlerinage prend fin. Bon alors, comment je pourrais faire pour avoir des sous maintenant? Faut que j'embête les gens. La question c'est, est-ce qu'on peut faire divorcer son fils facilement? Oui. Hyper facile. En faisant un truc auquel je pense là? Bah un petit coup de poignard dans le dos de la fille et hop, divorce. Ouais, 14%. Allez, on va travailler dessus. On va chercher une Normande. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Déjà, la culture. Alors, je l'ai merdouillé, ça, dans la dernière session, puisque j'ai écouté, oui, il fait ça en conquête et tout. Et je me suis trompé de fils qui était déjà normand. J'ai tout perdu. Donc, on va refaire. Ce n'est pas grave. Ah, de toute façon, à terme, tôt ou tard, t'arriveras à avoir... Ah, c'est marrant. Mon fils veut bien la tuer. La bonne nouvelle. Allez, ça tombe bien. Alors, qui veut participer? Moi. Qui es-tu? Allez, homme masqué. Je suis pas ton fils. Ah, d'accord. Il ne veut plus de sa bretonne. Oh, écoute, cher celui-là. 77. J'ai pas mieux. Parce qu'en discrétion, je suis bon, mais en réussite, c'est pas encore ça. Moi, c'est écoute, ce qu'il cher. Faut, c'est une vieille avec du... avec de l'intendance. En 3 ans. Bon, on attend de voir venir. Et d'ailleurs, il s'est reproduit pas mal, lui. Il nous reste plus que 8 mois avant de passer notre nouvelle loi. Alors, il y en a un qui m'approuve pas, là, de Vasso. On va commencer à travailler dessus. Il a eu un seul fils pour l'instant. Et du coup, ce fils-là est marié avec qui ? Une catholique visigothe. Oh punaise. On va devoir tuer la mère et la fille. Bah oui. Je l'ai libéré bêtement. J'aurais dû lui enlever ses titres. Il se révolte. Il a 1400 hommes. Go. Non, elle n'aura pas mort. Allez hop. On va lever le système d'armes. Disperser tout. Je m'en pose 2 secondes. Oui. Je remets mon drapeau au bon endroit. Ah, il y en a un que je pourrais y rejoindre un ordre sacré. Ah bah voilà, ça c'est fait. Je n'ai pas d'hameçon. 6% de chance. Il va refuser, hein. Si c'est marqué la croix rouge, il refusera. Comment avoir un hameçon sur lui Non, il n'y a pas la croix rouge. J'ai une petite chance, mais manque de la piété, d'accord. Ça y est, je suis en positif des sous, ça c'est fait. Je peux demander un paiement, paye donc. Et part en pèlerinage, que c'est pas terrible, on va commencer par ça. Demander de l'or au chef de la foi, ça c'est bon. Il est temps de partir. Et en pillage, 4000, en Provence en 760. Ah bah on va faire du pillage, hein. C'est ce qui marche le mieux. Dans ton cas, ouais. Et puis il faudra m'envoyer des sous, plein de sous. Ouais, mais dans ce cas-là, ne pleure pas si tu fais une guerre à côté, mon cher cousin éloigné. Non, là je fais plus de guerre, de toute façon. J'économise des sous pour pouvoir fonder mon empire. Et je me prépare à appliquer une nouvelle loi. Ah, j'ai un fils ! Nom de Dieu ! Produit par surprise. Mais j'étais même pas là, j'étais à la guerre. Mais elle t'a suivi dans les tentes. Non, elle était pas là, elle non plus. Et je suis plus malade. Bon, bah changement pour l'héritier.
On va trouver un moyen de l'éduquer. Qui j'ai du tellement moi. Prestige, tellement de prestige. Plus que 56. Ah ouais, non mais j'ai du taf. Hein. Je tente d'attaquer des. Ah j'étais voilà. Blessé, les bandits m'ont blessé. Attaquer en pèlerinage. Très bien, bon. Normalement, dans mes vassaux, quand je voudrais changer la loi, ils seront presque tous d'accord. Est-ce qu'il va rejoindre l'ordre des Templiers? Ah non, il ne veut pas! Bien. On peut te transférer un vassal? Bon, j'ai suivi le chemin sacré en tout cas. Ouais! Voilà. Et je n'ai pas de médecin attitré, ça c'est pas bien. Quelqu'un de sage ici. Chez les Vikings c'est dur. Hein. Ah si, mon archevêque, tiens, allez hop. Mince, j'aurais préféré que ce soit ma seconde fille qui hérite. Elle avait pour une fois un bon trait. Et puis bah non, elle avait juste bonne à marier. Mm-hmm. En même temps, elle a été élevée en martialité. Fait de l'intendance plutôt, Finette. Il veut pas payer, bah il va attendre. Hein. On dirait que je suis pas le seul à avoir tué ma femme non plus là-dedans. Enfin, là, c'est la même fille plutôt, mais. Qu'est-ce qu'il fait l'autre enflure ? Il est en train d'assiéger ma capitale. On va devoir prendre deux fois le bateau. Combien ? 6 mois ? Il a des onagres ou quoi ? Attends. On tourne LOL, mais. Très bien, ça recommence à monter. Allez. Viens là. Rançonner, il me faut des sous. Bon, il va à sa santé, celui qui est en prison. Pas terrible, il est correct. Ah oui, il a été libéré. Alors. Donc, écoutez, il me faut encore 1300 pièces d'or, mais ça passe bien pour le moment. Je gagne beaucoup de piété, ce qui fait que je pourrais probablement redemander de l'or à mon chef de la foi. Fascination découverte, les lois héréditaires. Ça y est, on va pouvoir passer au... qu'est-ce qu'on va faire? La seigneurie, frappe de monnaie, gouvernement communal, prérogative impériale. Sphère. C'est l'arqué. Soldat de la maison. Bourg fortifié. Allez. Les bâtiments militaires élevés. Non, c'est mieux les bâtiments économiques. Nettement mieux. Juste là. Allez, une petite bataille. Encore du prestige. Pour sauver ma capitale. Et puis l'Irlande, il va falloir que je refasse des troupes, des choses. Mais tant que je ne suis pas tribu, on est d'accord. Et maintenant, je retourne chez lui. On va donc pouvoir le terminer. Et le mettre en prison, le déposséder de ses titres, et ainsi, dans, il n'y aura personne qui refusera de voter le changement de la loi de succession. Ah, écoute, dans 5 mois, je me sépare de ma belle-fille. Tout va bien. Promulgue la loi. Ça y est, nous sommes en partition. La différence entre partition et partition confédérée, c'est que dans la succession par partition confédérée, vos titres sont répartis à part égale entre vos enfants. De nouveaux titres peuvent être créés. Dans la partition, de nouveaux titres ne peuvent pas être créés. Ce qui fait que si vous avez qu'un seul titre principal, vous ne créez pas d'autres titres d'empereur ou d'autres titres de roi, et ben vous gardez tous vos terres. Non. J'ai confiance pour mon fils. Eleanor Ivar accepte l'incitation. Avec plaisir. Qui c'est ça? Duché de Alba. En même temps, je peux déshériter.
Ouais. Elle va pas gaspiller toutes nos traits de renommée, dis donc, hein. Oh. Pourquoi? Non, mais Pourquoi? il faut que tu le fasses. J'ai pas le Mais choix. tu vas perdre que la Navarre, de toute façon. Là, quand je regarde actuellement, puisque j'ai perdu l'Irlande, je garde que l'Aquitaine. La Navarre est perdue. Oui, mais que la Navarre. Tu perds que deux ou trois comtés, c'est tout. Non, et le royaume de Navarre. Ouais, oui. Oui. Bah, le royaume de Navarre, c'est deux comtés. Oui, c'est rien, ça Va je reprends ma pas perte. gaspiller plein de renommée pour ça. Bonne jugeote. Il n'y a pas d'empire, j'y garde D'autant plus. plus que tu pourrais réattaquer pour reprendre l'Irlande. Et là, ça vaudrait le coup de déshériter. Mais alors, faudrait déshériter tous tes fils sauf un. Et ça, ce sera au prochain épisode. De toute Allez, façon. on vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour Oui. la suite. À tout de suite. Salut tes camons.